Alors voilà, hier soir j'ai eu la visite de jeunes qui sont venus en voiture. Des jeunes qui viennent de temps en temps me provoquer. Alors ils ont voulu me faire sortir de la maison pour m'insulter. Et vu que je ne me montrais pas, ils ont cassé. Alors là, il a renversé la poubelle avec la voiture. Ils nous ont labouré tout là, avec leur voiture. Cassé ce que j'avais mis là. Voilà, alors ils ont mis ça par terre, ils ont roulé après par-dessus, avec leur voiture. Péter ça, plus ou moins. Enlever les lumières que j'avais mis, arc-en-ciel, jeter ça, ce qu'il y avait là, bon, ils l'ont mis là, et ils se sont amusés avec la voiture là sur le terrain pendant un bon moment à me labourer le terrain parce que c'était boueux, ils ne pouvaient pas monter. En marche arrière, il voulait absolument monter en marche arrière. Et donc pendant un bon moment, une demi-heure, avec la voiture, ils nous ont labouré. Bon, ça fait plusieurs fois que ça se produit. Évidemment ici, il peut arriver n'importe quoi, vu que je suis isolé, que jamais personne ne réagira, comme ça s'est déjà produit. Et donc ils m'ont cassé les trucs, voilà. Voilà, ça c'était les lumières solaires qu'il y avait en bas. Bon, j'ai eu peur qu'ils me cassent les panneaux, mais ça va. Ils n'ont pas fait ça, ils auraient pu le faire. Ils n'ont pas fait. Alors on voit les traces de la voiture là. Alors ils viennent comme ça, la nuit, vers minuit. Ils passent en voiture là, font le tour. Ils s'arrêtent là, ils klaxonnent, tout, 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 tout. Et puis ils m'insultent. Bon, j'ai relevé le numéro de la voiture, mais est-ce que c'est la peine que je signale ça? Voilà, bon, il n'y a pas trop de dégâts, on va dire, c'était déjà détruit. Mais enfin, c'est pour le principe, quoi. Là, cette pièce, c'est moi qui l'ai mis pour pas qu'il y revienne, mais bon. Voilà, la vie quotidienne. Des agressions banales et destruction. Alors poubelle, bon, ils ont eu besoin de renverser la poubelle, je sais pas pourquoi. Elle devait pas leur plaire. S'ils sont partis sur les chapeaux de roue. Et bon, voilà. Alors ils viennent assez régulièrement, de temps en temps, quand ça leur prend, ils ne savent pas quoi faire. Alors ils viennent ici, me provoquer et me faire des dégâts. Ça va être très amusant, très réconfortant, je ne sais pas. Enfin voilà. Donc voilà, ça c'était... Bon, ils nous ont pété ça, tordu, et labouré le terrain. Et bien évidemment, personne n'a rien vu, ni rien entendu. Pourtant, ils en ont fait assez de barouf. Hein.
Bon, je les ramasse. On ramasse tout ça. Voilà, c'est les traces là, où ils ont patiné. Ils voulaient absolument monter en marche arrière, bon. Ça s'est un peu séché. Vu que c'était la gadoue, donc ils ont patiné là. Et ils s'amusaient à descendre, monter. Boum, 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 boum. Là, pendant un bon moment, hein. Une demi-heure au moins. Je veux dire, si personne n'a entendu. Et parce qu'ils klaxonnaient en plus. Je suis sûr que personne n'a entendu, rien. Le château c'est paisible, il ne se passe jamais rien, à part ici. Et quand il se passe ici quelque chose, et bien c'est comme s'il ne se passait rien. Parce que de là-haut, on ne va pas me dire qu'ils n'ont rien vu. Avec les phares et tout, le bruit de la voiture, les klaxons. Bon, ils me connaissaient, ils connaissent mon prénom. Ils m'ont appelé par mon prénom. Voilà. La banalité. Voilà, j'ai relevé le numéro de la voiture. CK152GJ. Bon, vu qu'aujourd'hui on est dimanche, c'est même pas la peine de contacter la gendarmerie, il n'y a rien. Je sais pas si je vais le faire. Bon, peut-être le signaler, mais bon, ça ne donnera rien. On connaît l'histoire. Le seul individu dangereux ici, c'est moi. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On ne leur dira jamais rien. Thank you.
Alors voilà, le retour des énergumènes. Retour des énergumènes qui viennent nous faire leur petit cinéma. Ils sont perdus. Ah, mais tu t'es trompé, mon grand. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? On chercherait nos châteaux. Comment tu t'appelles? Le château. Ah, mais c'est en face, Rennes le château, tu vois pas? Mais je voyais pas, désolé. Ah, mais tu repars comme ça, tu tournes à gauche, à droite là. Tu tournes à droite là. Tu tournes à droite là. Après tu tournes à gauche. Tu veux quoi, ma photo? Oui. Bien sûr. Tiens, tu la vois ma photo là? Oui, je la veux ta photo. Mais bien sûr que je la veux ta photo. Ouais. Tu comprends pas que je veux ta photo? T'as le bonjour mémé. Allez, au revoir. Au revoir. Hein? Oh, mais il y a des demoiselles dedans. C'est mes couilles. Il y a des demoiselles dedans. Salut. Oh, bisous. Alors, et voilà. Bon, je vois pas. Alors, l'immatriculation. A2, AZ. B82. Ah, demi-tour. Ça va chauffer. On voit rien, hein. Ça fait rien, il y aura le son quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes gens? Ils sont perdus, ils cherchent la route de Rennes-le-Château. Viens, s'il te plaît, viens. C'est par là Rennes-le-Château ou pas? Eh bien, tu devines. Je vous entends pas, désolé. Eh bien, devine où c'est Rennes-le-Château. Excusez-moi. Hein. Droit, là. Allez, au revoir et bonne soirée. Ils sont décidés vraiment à ne pas partir. Vous êtes en direct sur internet. Hey, vous êtes en direct sur internet, c'est cool. Allez, bonne soirée. Rennes le château, je sais pas où c'est, mais c'est pas ici. Ah voilà, ils sont toujours dehors, hein, à m'insulter. Reviens petit con, je sais pas quoi, etc. Alors merde, j'ai pas pu voir l'immatriculation entière. Alors on ne voit rien. Mais il y a des jeunes qui sont venus faire un cinéma. Ils sont perdus encore. Là, ça fait un moment qu'ils sont là, ça fait 10 minutes. Bon, ils sont assez calmes, ils klaxonnent un peu, pas trop. Ah, si je viens pas, ils partent pas. Eh bien, laisse tourner ton moteur.
va vous jeter une balle, attention. Tu viens pas ou pas femme? Va lui parler, moi je vais te voir. Ça fait deux fois. Un panneau solaire. Là, ils ont flippé, là. Ah ben, c'est un bon coup, ça va faire. Ils viennent de partir. J'ai sifflé, j'ai fait le tour, j'ai sifflé. Vraiment, ça a été suffisant. Alors, ils sont restés une bonne demi-heure, hein, presque une heure. Alors, voilà le retour des harceleurs, une voiture blanche. Bon, on voit rien. J'ai pas de lumière en plus, fait chier. Alors, ils me mettent les phares. Excusez-moi, on a perdu des chiens, vous les aurez pas vus, s'il vous plaît? Non. Excusez-moi, je suis chasseur, j'ai perdu des chiens. Eh bien, tant pis, ils sont pas là. Je les capte par là, c'est pour ça que... Putain, ça n'a pas enregistré. C'est pas vrai. Alors, ça n'a pas enregistré, mais bon, immatriculation. Immatriculation, alors c'est passé. G579Y. Ils sont repartis, ils n'ont pas été trop chiants. Il y a pire.